salut à toutes et à tous et à Katsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours accompagné de Tonch. Bonsoir. Est-ce que la maison a changé un petit peu? Quelque chose me dit que oui. Eh bien, figure-toi que j'ai fait ça hier soir avec un viewer. Voilà. Qui laisse, Mon Dieu, veux-tu faire rentrer les manants chez nous? C'est ça, qui laisse moult commentaires sur les vidéos et nous l'en remercions. Notre petit Azul. Regarde ce qu'on a fait. T'as vu ça? Une terrasse. Une terrasse avec une pergola, petite cuisine d'été. Ah, le petit barbecue, tout ce qui va. C'est ça. Alors, on disait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas déposer de nourriture. Tu sais, genre des steaks et tout. Non, mais on doit pouvoir déposer des bols ou des conneries comme ça. Ouais, ça, on peut faire. Je l'ai fait à l'intérieur. Et donc, on a fait toute la maison en argile. Voilà. Ça a été très long. Je veux bien te croire. Et en fait, on se demande, on se posait la question. On se disait que c'était trop uni. Alors, il faudrait peut-être changer un peu le bas de la maison, peut-être en brique. Et après, il faudra changer le toit, mais j'avais plus la foi. Disons qu'on a fini, il était presque minuit. On n'avait plus la foi. Enfin, moi, je l'avais plus en tout cas. Voilà, voilà. Et donc, j'ai rajouté des étagères aussi. D'accord. Des petites étagères en bois sculpté, mais il faut qu'on mette des trucs dedans, quoi. Ah oui, effectivement. Et en haut, on a même des petites tables de chevet maintenant avec des petites lampes et des livres et tout. Oh, c'est beau. J'ai posé les livres à la main. Voilà. Quand on s'ennuie, il faut faire du housing. Hop, je relance quelques semi-indigo, je replante tout ça et je serai paré à toute éventualité. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais... Ça ne saurait tarder. C'est ça. Hop. Donc c'est pour ça que j'ai pris un niveau vite fait en minant à force de miner, bah j'ai pris un niveau. On a profité pour aller chercher du cuivre et des conneries comme ça Non, juste de l'argile. Non, j'ai vraiment fait que pour la maison. Parfait. Mais on en parlait avec Azul. Ouais. Usul, non, c'était pas lui. Même lui aussi, il a le même problème que nous avec le cuivre. Enfin, quand je dis problème, il y en a très peu. Ouais, qu'il faut 12 000 coups de pioche pour en avoir un. C'est un peu relou. Et apparemment, c'est pas une question de pioche. Et regarde, il m'a aussi fait un cadeau. Regarde, j'ai un nouveau bouclier. Un bouclier magique. Ah oui, j'allais dire, je vois pas grand chose. Mais si, t'as 5 feuilles qui volent là. Ouais, avec un petit aura violette. C'est beau. Ils sont sympas ces boucliers là. Et en plus, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, pour les mages, ça fait plus sympa qu'un bouclier dur quoi. C'est vrai. Et il a pas tort. Ça rend mieux. On manque de sel. T'inquiète pas, du sel, il va y en avoir quand on va mourir. Parfait. J'ai du gibier grillé, oui. J'ai du loup grillé, oui. Ah oui, un petit peu d'argile dans les coffres, effectivement. Oui. On avait presque 1000, je crois, quand on est rentré. Ah ouais. Et je veux même pas savoir dans quel état est le champ. Le champ. Le champ. À la mine. Le champ. À la mine. La mine, elle s'est recréée parce qu'on a rechargé la partie. Ah ouais. Bah oui, le rip-hop se fait soit toutes les 30 minutes, soit quand tu relances le serveur. J'entreaperçois un joli glitch. Bah en fait oui, tu mines comme un goré, tu relances ta partie, tu remines comme un goré. Voilà. On est d'accord. Ouais, c'est pour ça on en parlait hier avec Azul justement. Est-ce que c'est le bon choix de la part des devs? Comme je disais, à mon avis, ça a été âprement discuté
pendant le développement du jeu. Et ça doit encore être discuté aujourd'hui. Et ça a dû finir sur un oh, on s'en fout. On va voir avec le temps. Voilà, on verra bien. C'est ça, et c'est pareil, il avait il a eu la même réflexion que toi. Sur ouais. Tu sais, quand on fait une quête où on doit trouver un trésor, bah que ça l'active pas pour tout le monde. C'est con, hein. Mais après il dit, dans un sens c'est logique, parce que si t'as un nouveau joueur, et bah ça évite qu'il y ait des vieux joueurs. Ça évite un glitch, ouais. Qui aillent faire toutes les quêtes dès qu'il y a un nouveau, et que le nouveau il soit niveau 50 avec tous les objets, quoi. Oui, 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 je conçois. Alors, pour moi les deux se défendent, hein. les deux se défendent, donc... Mais à mon avis, ça peut changer. Ça ne va pas être des trucs très très difficiles à changer en termes de... Je sais pas. Bah, je saurais pas te dire non plus en termes de développement ce que ça peut impliquer. On ferait pas un toit en silex, pardon. En silex. Ah oui, c'est ce qui fait de... Ouais, quand tu regardes le toit en silex, en gros, c'est de l'ardoise. D'accord. C'est le bloc de toit en bardeaux de pierre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manquait du coup ? Je ne sais pas. La nature sauvage. La nature sauvage. Le banc de scie du charpentier. On peut aller faire ça si tu veux. Le planeur avancé. Et il y a un sort éternel aussi, a priori. Un sort éternel ou ça hein ? Ah oui, non, le sort éternel, tu l'as peut-être déjà récupéré. Et, c'est un sort de glace éternel. Si c'est le sort de glace éternel, on l'a déjà fait. Je ne sais pas, écoute, c'est juste marqué un sort éternel. La récompense, c'est pas un éclat de glace ? Ouais, si, ça ressemble à ça. Ouais, c'est le sort que j'ai, ouais. D'accord, ok. Donc ça, on a fait. Ouais, donc soit la fermière, soit le banc de scie, comme tu préfères. Bon, on peut aller faire le banc de scie, ça va nous débloquer plein de craft. Allez. C'est parti, c'est où ? Parce qu'on dit ça, mais on sait pas où c'est. C'est au nord-est, hein. C'est à côté du test de compétences. Bon, si, bon, on fera les deux. Fait. Voilà. Ah, hein. Ah, c'est à côté, d'accord, c'est à côté des catacombes de la reine, d'accord. Ouais. Ah, mais la nature sauvage. Attends. La nature sauvage, c'est juste à côté du champ d'argile. Ah ah. Bah, allons à la mine d'argile et faisons d'abord la nature sauvage. Certes. C'est où ? C'est là-haut. Ouais, c'est littéralement juste à côté. Ah ouais, il y a la nature sauvage et puis après on redescend pour le banc de scie. C'est certainement ce qu'on s'était dit au dernier épisode. Peut-être. Et ce qu'on nous dira dans les commentaires en disant « Mais vous êtes con ou quoi ?» Oui, bah oui, ça oui. Oui, alors de 1, oui. Hein, déjà. T'as vu, elle est pas... Ah non, elle est restée défoncée. Marrant, ça, elle a pas repop encore. Voilà, bon, on a un petit peu miné, quoi. Un petit peu. Non, ok, par contre. Ouais, je pense qu'il faut monter par là et aller vers l'est. Ouais, c'est plein est. Alors, il faut contourner, il faut faire le tour de la montagne, a priori. Ouais, par là où je vais, je pense. Je te suis. Ces bestioles-là, oui, ces fameuses bestioles. Il m'a parlé, ça, oui, c'est l'argile aussi, ça, non ? Où ça ? Là. Tout ça, là. Ah, peut-être. Non ? Non, c'est de la terre et de la pierre. D'ailleurs, Azul m'a dit que dans tes champs, il faut enlever la terre et mettre de la terre agricole pour que ça pousse plus vite. Ah, c'est possible, effectivement. Mais comme on n'en avait pas encore... Voilà, voilà. J'y ai pas pensé sur le coup, mais effectivement, à la prochaine récolte, il faudra penser à mettre de la terre agricole. En voilà de l'argile. Certes. Voilà, voilà. Non, parce que tu sais qu'il nous râle dessus sur les commentaires. Ah. Parce que je t'avoue, le viewer, voir son commentaire. Le viewer de base, voyons. Parce que, enfin, il nous râle dessus. Non, mais à chaque fois, il fait « Mais vous prenez pas l'eau, vous prenez pas le mal. » Bon, désolé, je les ai pas vus venir. Moi non plus, hein. Tu sais, il nous dit, vous prenez pas l'eau, vous prenez pas le miel. Ah mais ça stun, d'accord.
Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ah oui, les élixirs de brume là. Ah bah oui. Voilà. Après, si vous vouliez des joueurs opti. C'est ça. Non, et puis après, c'est pareil, il me fait. Mais ça, je lui ai dit. C'est par rapport à la vidéo. Tu sais, il me dit, ouais, mais vous cassez pas tout, tu sais, dans les villages où vous arrêtez pas. Oui, on en avait parlé, ouais. Vous arrêtez pas chercher tous les champignons pour la brume liquide, etc. Je le redis, hein, je le dis là. C'est pour la vidéo. Parce que c'est pas drôle de voir des mecs qui s'arrêtent toutes les deux secondes pour ramasser un caillou. Et puis, est-ce que sincèrement, c'est pas mieux de nous voir galérer là? C'est ça. C'est plus drôle. Ah, c'est l'aura de la terre qui vient de me remettre. J'étais en train de me demander ce que tu m'avais jeté dessus. Bah, j'ai rien jeté. Attention! J'allais dire, il y a un ours. Non, c'est un. C'est un sanglier. Je connais mes animaux de la forêt, croyez-moi. Il y en a un deuxième, hein. Un deuxième ours? Un deuxième ours à défense? Qui ressemble à Pumba? Tout à fait. Les Pumbours. Ça y est. Ah, j'ai trouvé le nom de l'épisode, ça y est. Les Pumbours. Bah, ça a l'air d'être par là, hein. Bah écoute. Ça a l'air d'être encore dans cette saloperie de brume, hein. Bah, ou pas, parce que il y a un cercle. Ouais, c'est un peu sur la droite, hein. Ouais, ça peut très bien être par ici, juste sur le bord, tu vois. Genre là, au milieu des trois champis à pattes, là. Ouais. Tu vois, genre le petit bâtiment, là, je me dis que... Je le vois pas. Hein? Ah, oui, d'accord. Non, parce que là, faut peut-être penser à faire quelque chose, à force. Attends, je vais peut-être mettre mes lunettes. Mais bah, en plus, c'est même pas celui-là, il est vide, celui-là. Non, alors, véridique, je porte des lunettes, mais je les ai sur moi. C'est ça le pire. Non, mais il n'y a rien. J'avais littéralement ma caméra qui était en fait vers la forêt, et il était juste à l'extérieur du champ de vision. C'est pour ça que quand t'as dit le bâtiment, hein, lequel? Et là, je tourne ma caméra et... Ah, celui-là. J'ai un petit... Ah bah, ou alors celui-là, peut-être. We are in the attack. Ah, tu ne peux passer mon bouclier, créature des ténèbres. Oui, j'ai trouvé le bâtiment. Ah, très bien. C'est l'arbre qui cache la forêt. Tu as passé les deux arbres, c'est bon, tu as vu le bâtiment? Non, j'ai pas encore vu le bâtiment. Non. Non, Parfait, ah, bon bah, continuons un peu alors. Cette petite bâtisse là, d'accord. Ouais, la cabane là. Hey, la petite masure. Ça ressemble à ça, hein. Ouais. Ça a l'air. Bah c'est parti. J'espère qu'on aura ce qu'il faut. Moi aussi, mais je pense pas qu'on ait besoin du... Ah, bah non, on a le grappin amélioré. Le planeur avancé sinon, hein. Oula. Oh, je vois super. Une boule de feu qui roule. Il y en a plusieurs. Ah d'accord. Ah ouais. Ce truc là. Quel talent. Quel talent. Hop. J'ai activé un bouton. Bravo. Ah mais tu fais... Ah d'accord, il y en a... D'accord, il y avait une autre énigme de la même espèce. J'ai activé un bouton. Bravo. Ouf. Tu l'as pris dans la gueule. Non. Attention, il y a des éclairs. J'ai pas peur. N'aie pas peur. Il y a des éclairs, et ceux-là ils sont pas au café. Ah, des briques, ça y est. On a récupéré du craft. Les blocs en briques de terre cuite. On pourra faire une maison des corons. Super. On se croira à la maison. Alors, celui-là, facile à ouvrir. Voilà. Un bouton.
deux boutons. Et s'ils sont tous à avoir avec l'arc, ça va être facile. Hein. Alors... Ils sont où les autres? Merde. Ah, peut-être par là. Ouf, pile poil. Je saute. T'as des sauts millimétrés à faire, hein. Attention. J'ai une masse pour toi. À une main, je crois. J'ai pas lu. Je crois, mais j'ai pas lu. Vois-tu? Ok. Excusez-moi. Et deux, trois. Et deux, trois. Donc là. Ici, c'est fait? Ouais. Oui, effectivement. Il y a un coffre qui a été vidé. Non. T'as pas ramassé la gourde d'eau. Ah oui, c'est pour l'endurance. Ah mais il y a un... Ah d'accord. Il y en a un autre là-bas. C'est bon, c'est ouvert. Ouais, mais pas le coffre. Non, il en manque un, il en manque un. Le bâton du sage. Et la gueule de loup, une épée pour toi, 29 de dégâts. Hop là. Non, si j'en avais fait 3 et que t'en as fait 1, ça fait 4. Ah non. T'en as pas fait 1 ? Si, j'en ai fait 1. Bah donc c'est bon. Mais il y en a que 3 d'allumés. Bah donc t'en as pas fait 1. Ah si. Bah t'en as fait 1 que j'ai déjà fait alors. Bah il était allumé quand j'ai appuyé dessus, donc... J'ai envie de dire non. Bah j'en ai fait 3. C'est bizarre cette histoire. Est-ce qu'on serait tombé sur un bouton à timer? Oh! T'as trouvé un truc? Je viens de looter des... Comment ils ont appelé ça? Des barres de cuivre? Ouais, c'est ça, des barres de cuivre. Porte en cuivre! Oui! Chaîne d'éclair! Oui! Bloc de cuivre, ah oui, pour construire une maison entièrement en cuivre. Évidemment. Bah il est là. Il était pas à timer. Flèche en cuivre, chasseresse. Ah, très bien. Hop là. Il était pas à timer, hein. Et il fallait un arc pour tirer dessus. Tiens, attends. Je te donne ça. Merci bien. Une matraque de la défiance. Et une gueule de loup, une épée. Et une épée niveau 13 qui fait 29 de dégâts. Bah écoute, pourquoi pas hein. Bah en fait on est... Ah. C'est fermé. Par contre j'ai vu qu'on pouvait maintenant créer des encres de... Ouais. De... Pour le... Le... Pour le grappin. Le grappin, merci. Pinaise, le trou de mémoire, quoi. Ça passe. Oui. Pour le grappin. Et ça, c'est cool. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Parce que c'est... Est-ce qu'on les pose où on veut, ou... Bon, j'imagine. Hop. Et 1 sur 2. Et... Bah. Et 2 sur... Et 2 sur 2. Alors fais attention, Tonche, il y a des éclairs. Ouais. Pendant que tu fais joujou là-haut, moi je prends les coffres cachés sous les escaliers. C'est bien. Fais donc ça. Tu as trouvé la porte? Oui, c'est bon. Fantastique.
Elle est même activée. Voilà. Et je t'ai dit attention, il y a des éclairs et c'est moi qui en prends un dans la tronche. Hein. Évidemment. Voilà. On a le voyage rapide. Tiens, regarde ce que je t'offre. Je suis pas certain que tu ne le... La culture souterraine des bois envoûtés cache la sa folie, le berceau de l'élixir, la racine de la folie, l'origine de la pourriture, un labyrinthe de maladies et de désordre niché au cœur d'un bosquet. D'accord. Oh! Ah, de base, il est plus fort que le mien. Tout va bien. Une baguette de l'apprenti, 29 de glace. Ma glace, elle fait 23 de glace. D'accord. Voilà, voilà. Alors, c'est bien beau cette affaire, mais on n'a rien débloqué de la fermière, là, on est d'accord? Ouais, non, c'était pas la mission. Si. Si, si, c'était la mission. Test. Perdu dans la... Bah, j'ai même pas, en fait... Truc de la nature là. Récupère la nature sauvage, c'est fait. Escalade la tour des anciens dans les bois envoûtés. Oui. Bon bah ça c'est fait hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fait hein. Bon bah le Banshee, ça m'a l'air d'être un vol plané hein. Ça a l'air hein. Il est où? Par là. Ouais. Je vois rien. La nuit, c'est horrible. Ah oui, c'est une catastrophe. Hein. Ça m'a l'air bien rouge en bas quand même. Hein. Mais non. Après, on peut faire de la lumière. Hein. Il y a un truc qui s'appelle des torches. Voilà. Et je sais, Azul en avait une. C'est une potion qui fait de la lumière. Tu la bois et tu la bois et t'as de la lumière au-dessus de ta tête. Ça donnerait presque envie. Ouais. Ouais, c'est bon, ça passe large. T'es sûr? Oui. T'avais bu de l'eau avant? Non. On boit pas d'eau avant de piloter un avion. On boit du whisky. Ah oui, non, ça va. Il me restait encore toute une barre derrière. J'ai eu peur deux secondes. Attention, on a un comité d'accueil. Ah bon? Ouais. Très bien. C'est quoi ce truc jaune là? Orange? C'est une fleur. Ah, le fond de la lumière! Voilà. C'est mignon. Ah, c'est pratique le vol de vie quand même. Hein. Oui. Alors tu feras gaffe, on est poursuivi un petit peu. Hein. Poursuivi? Par quoi? Ça. Ah oui, déjà qui? Merde, je suis sur chaîne d'éclair, je veux pas chaîne d'éclair. Je voulais pas chaîne... Pourquoi il m'a mis chaîne d'éclair? C'est la chaîne d'éclair que je veux, c'est le truc de glace. Bref. C'est par là. Tata, yo-yo! C'est Tayo qu'on dit normalement. Les épées et les armes de corps à corps, c'est vraiment beaucoup plus efficace que la magie sur du multi-cible. Hein. Je me demande si la magie elle est pas un peu sous-côté dans ce jeu. Sous-côté. Ouais, après on a peut-être pas tout non plus hein, en termes de magie. Mais je peux pas changer de cible. Cette maison elle est jolie. Ah, c'est toi. Non, c'était un arbre que tu tapais.
Non, j'ai vu de la lumière bleue, j'ai tapé, hein, mais c'était ta baguette. Ah. Il essaye de me tuer. C'est la petite maison là que tu parles? Ouais. Elle est sympathiquement jolie. Ouais. Attention. Alors, il se peut que ça soit habité. Ouais. Oui, oui, c'est habité. Et là-bas, il y a des... On peut dormir dans le lit. Et là-bas, il y a des plantes aussi, également. Bon, l'étage ne mène à rien. Ah oui, et petit conseil qu'il nous a donné aussi à Zul, et qu'on ne fait pas, c'est à chaque fois qu'on pose un hôtel de la flamme, poser un établi. Ah, pour réparer. Ouais. Parce que quand on minait l'argile, tu peux te douter que les pioches ont un peu subi les affres du temps. Oh. Bizarre ça. Il y a plein de noisetiers. C'est le moment, hein, si jamais tu veux... Je veux quoi, hein? Te faire quelques noisettes. Bah moi j'en ai encore sur moi et c'est plus pour toi la noisette, c'est la force. Hein. Oui, oui, après c'est... Si tu aimes la pâte à tartiner... Ah ouais, une petite pâte à tartiner aux noisettes, là. Ces terres stériles sont maintenant ravagées par ces pousses rampantes. Elles sortent du sol plus vite que je ne peux les couper. Des choses ignobles crachent de la bile et de la saumure. Tous les champs pourrissent, la pourriture se répand profondément. Il n'y a pas de salut pour les pâturages. Faites tout sauter. D'accord. Tout sauter. C'est une bonne... Merci. Donc, on a la suite de la caïte. Qui se situe où? Ah bah, pas très loin. Allez. C'était déjà le début de la quête, ça? Ouais. Ah. C'est, tu sais, ça va être comme pour la chasseresse, une quête en plusieurs étapes. Attention! Oh merde! Alors, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru qu'il allait falloir aller dans la brume. Bon, certainement. Je m'étais apprêté, n'est-ce pas, à prendre ma petite potion. Oui. Ah, c'est pas par là. Ah. Si. Bah, il y a une montagne, quoi. Oui. Ah, il y a un chemin. Il y a un passage. Oula, il y a un trou. J'ai failli tomber dedans aussi. C'est ça le problème de se suivre. Cochon. C'est ça le problème de suivre, c'est que s'il y en a un qui tombe, l'autre tombe. Et pas l'autre cochon. Tombe. Il est trop fort avec son épée. Et ça fait quoi si je le casse? Je peux pas le casser. Hein? Je peux pas le casser. Ah si. Si, ça nous a amené les trucs bleus luminescents là. Ouais, croissance luminescente. Hein. Les blocs bleus luminescents derrière. Ouais. Est-ce que ça nous servira un jour? Les blocs luminescents, peut-être. Ah oui, si, peut-être pour faire des petits... tu sais, des... Avec les blocs de 1 sur 1, là. Faire des petits... Des petites loupiottes. Ouais, des un peu comme... les petites lampes qu'on met dans les jardins.
Bon, moi je prends des... En même temps je prends les trucs de poison. Parce que vu que maintenant on a du cuivre, et qu'on sait faire les flèches en cuivre... Tout à fait. Eh bien je pourrais faire des flèches de poison. Désolé mec. C'est pas assez rapide. Je suis à l'étage. Je suis en train de me battre. C'est vide. Niveau 11. Nice. Ouais, donc moi j'avais pris un niveau de plus, c'était vraiment pas... ça a vraiment... ça change pas vraiment pas grand chose les niveaux. J'ai l'impression. Il y a des bruits lugubres hein, quand même. Hein. Bah, c'est la nuit en pleine forêt. Hein. Pour ceux qui ont déjà dormi la nuit en pleine forêt, vous savez ce que je veux dire. Ah, il y a du monde. Non. C'est faux. Ah, c'est des bandits, d'accord. Mais il m'a mordu les fesses. Ah, il peut me mordre alors que je suis sur le mur. Allez, viens. Merde. Très bien en haut, moi. On est dans une ville qui s'appelle Emprise. J'ai plus de place. Ouais, moi non plus. J'ai de la place. Oh, ouf, niveau 12. Il y a du monde. Non, c'est pas vrai. Je ne peux pas te croire. J'arrive. Je vais tomber. Et il fait le taf quand même, hein, ce petit crâne là. Ouais. Hein. Mine de rien. Ah, il en reste un là-bas. Nouvel emplacement cartographié. Ah. Tu as t'as déclenché la suite de la quête. Ah. J'ai pourtant juste été tué le dernier qui restait là-haut, là. Non, non, il y en a un juste en dessous aussi. Il attendait que tu descendes. Il y en a un qui arrive sur toi, il y en a un qui arrive sur toi. Il y a une nouvelle ressource ici. Je viens de découvrir une nouvelle ressource. GG. Quoi qu'est-ce Hop, je vais juste jeter ça. Du bois dur. Bien sûr, évidemment. Ça nous manquait. Bah oui. On n'a pas le bois dur. Il fait peur ton squelette là. Chaque fois qu'il arrive comme ça dans mon dos. Tu crois qu'on les a tous tués? C'est une possibilité. Ah, peut-être fouiller un peu, il y a peut-être des coffres. On peut. Je vais voir dans l'auberge. Ne m'étonne pas de toi. Bah attends. Espèce de nain là. Alors. Voilà, il casse tout. Je casse tout à coup de hache moi. Voilà. Ah ah, j'ai le coffre. Bâton du berger et le casque d'archer. D'accord. Ça m'a... Oh, j'ai les flèches sur moi.
J'ai plus de place. T'as des flèches de quoi ? Des flèches en cuivre, mais tu n'as pas de place pour les prendre. Non. Mais j'ai deux places libres. Si tu as une chose en trop, tu peux me l'envoyer. Attends, bah tu peux me les envoyer maintenant. J'ai fait une place. Bah attends, t'as deux places libres. J'en ai quatre maintenant. J'ai jeté la terre que j'avais sur moi. Oui. Qui manifestement... Bah écoute, c'est bon. J'ai pu jeter des trucs aussi, donc... Regardez ce qu'il fait, ce casque d'archer. J'ai trouvé les toilettes. Ah, nickel. On ne va pas mourir dans notre caca ce soir. Ça doit vraiment être une mort de merde. Hein. Tout à fait. Il y avait qu'un petit coffre, le casque d'archer. Ah bah c'est mieux. Oh putain. Oh putain. Attends, t'es où ? Je suis en bas. Ah j'arrive. Prépare-toi à rigoler. Hein. On dirait un habit fait par Jean-Paul Gaultier. Oh mais oui. Ah mais je dis oui. Oui, 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 oui. Oh oh. Eux aussi ils ont dit oui. Ok, j'ai attiré le guerrier sur moi. De quoi ? Non, je suis en train de danser avec le loup, tout va bien. Moi le mec n'a rien fait, il me regardait et il ne veut bouger plus. Archer. J'ai pas vu où. Vu, ils sont au-dessus. Oula ! Ça va ? Non. Tu es mort ? Oui. J'ai alors. Retenu tout le monde, mais ça m'a fait un petit peu mal sur la fin. Ouais. Aïe. Aïe. Je peux rien faire. Ah, toi aussi. Bah, je pouvais plus bouger. Oui, je m'en doute. C'est... Oh ! Nous sommes dans le sol. Ah non. On doit tout refaire. Oh là 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 là. Il faut y retourner. Stop. Oui ? On est en haut d'une tour, hein. On est d'accord. Hein. Oui. Donc on pourra s'y re-TP. Hein. Oui. Bon, on va aller manger. Hein. On va aller prendre un truc, se reposer et manger. Pour la barre d'enduit. Ouais. Et ranger dans les coffres. Dans les coffres. Tu vois, on va finir par y arriver. Hein. Ah, on va finir par arriver à jouer. C'est pas mal. On est à quoi là, l'épisode 20 ? 72. 30 ? 72 ? Parfait. Rêve d'étrange château. Ne jamais laisser les braises s'éteindre, qu'il disait. Cherchez en autre comme nous. D'accord. Creuser nécessaire pour la fabrication. J'ai vraiment besoin d'une fonderie pour faire du bon boulot. Mais pour construire une fonderie, j'ai besoin d'un creuset. Bien. Oh oui. On va pouvoir faire le creuset. La pioche en cuivre, la hache en cuivre. Le bouclier en cuivre. Un casque de tank ? Pardon. C'est le mien. Ah oui. L'armure d'aventurier. On pourra faire des plans, on peut en faire, oui. Des barrières en cuivre, encore plus belles. Encre pivotante de grappin. D'accord. Si tu le dis. Ah non, mais je peux pas mettre ce casque. Mais je peux pas. On peut pas cuisiner sur la cuisine de dehors ? Non, c'est un foyer. Faire un barbecue. Ouais, mais en fait, la cuisine, elle est trop petite. C'est la petite qui est à l'intérieur, elle est dégueulasse. Oui. Ça aurait pas fait un beau barbecue, quoi. Non.
Alors. Non, c'est ça, c'est cette touche-là pour déposer les objets. Alors, on va réparer également. J'en profite pour faire retirer mes champignons parce que j'en ai mangé un cru tout à l'heure et il est mal passé. Ça n'a pas fait. Stockage. Alors, on pourra faire des murs en cuivre, quoi. Le mec qui va vivre dans un château d'or et de cuivre. Bah, attends, normal. Alors, je peux faire un petit coffre et pour ça, c'est un petit coffre qu'il nous faut. D'ailleurs, les murs de cuivre, vous y penserez au prochain orage. C'est très bien. Voilà. Vous êtes certain d'être à la terre. C'est ça. Ah, mais il fait des coffres de taille moyenne, lui. Ah oui, mais on peut pas encore les faire parce qu'on n'a pas encore le... D'accord. Okay. Je nous refais un coffre magique parce qu'on a plus de place. Vas-y. Tac. Voilà. Pendant ce temps-là, je cuis tout ce que j'ai sur moi. Tu fais bien. La boule de feu, je vais la garder. Est-ce qu'on peut faire cuire les noisettes? Non. Je pense pas, non. Ouais, j'ai un peu de place, c'est bon. Vachement long à cuire le porc. Ouais, hein, c'est un peu long de tout faire cuire comme ça. Oui, les armes, on va regarder. 19. Moi, il fait combien? 15. Ah oui, d'accord. Donc l'arc est là, il fait 21. Et celui-là, il fait 19. Et il va faire 25, mon dégât de feu. Baguette de feu. Ok. Ça ira peut-être mieux aussi si j'améliore mon équipement. Peut-être, c'est une idée. Je vais peut-être faire de même. Ça c'est la glace. Tac. Parce que je passe de 23 à 34 quand même. Ah oui, ça joue. Et de 20 à 28. Oui, ça se joue peut-être un petit peu. Les armures s'améliorent également ? Non. Dommage. Et j'imagine qu'il nous faut du cuivre pour faire les armures de tank. Oui. Ah oui. Ce sera l'objectif de fin d'épisode, le creuser. C'est ça. Démanteler. Ça c'est déjà à fond, ça a dégagé. Démanteler. Je pense. Ça c'est quoi? Bâton du sage, 29. Augmente la régénération de mana. Oh. Mais je l'ai déjà ça. 26, 31, ouais, donc celui-là je peux le démanteler aussi. Celui-là je peux le démanteler. Voilà. Hop là, on a 1172 runes si tu veux améliorer des armes. Effectivement. Et moi je me retéléporte là-bas. Dans les étoiles. Je regarde vite fait, mais j'ai pas grand chose à améliorer au final parce que j'ai que des armes basiques en fait. Ouais, ça c'est. À mon avis, il doit y avoir un game du il faut aller là pour farmer telle arme. Certainement. J'ai pas mangé, moi. Ça tombe bien, j'ai du mangeage sur moi. J'allais dire, s'il te faut du mangeage,
Par là. Ah, j'ai des champignons rôtis qui donnent plus 3 en intel, si jamais. Ouais, alors intel, on a... je sais pas trop ce que ça fait en termes de... Si c'est les dégâts ou le mana. L'un comme l'autre, ça va te servir. C'est pas faux. J'ai pas vu où t'étais parti. Hein. Je suis derrière toi. T'es parti avant moi. Ah d'accord. Et donc, lui, il a le planeur avancé Azul. Et en fait, il me disait, il sert juste à aller plus vite. Tu consommes autant d'endus, mais tu vas plus vite. Oui, au final, tu peux aller plus loin quand même. C'est ça, mais... tu descends moins vite, donc tu vas voilà. Un peu plus loin. Alors, tiens, je t'envoie tes champignons rôtis. Hop. Bah, on va regarder tout de suite ce que ça fait l'intelligence. Ils sont où? Je les vois pas. Bah, je les vois pas. Dans ta barre? Ah non, ils sont pas là. Ah, c'est des azures azulis, d'accord, ok. Oui, c'est des champignons, mais pas les mêmes. Donc c'est pas le... C'est pas la barre de mana. Donc d'accord. C'est soit la régénération de mana, soit les dégâts. Hop, hop. Oui, non, je croyais que c'était des champis de base, tu sais. Ah non, des champis de base, je t'aurais pas embêté pour ça quand même. Donc je cherchais l'image des champis de base en fait. J'allais pas les trouver. Non. Il y a un lu. Un le ? Eh oui. Et où ? Là. Ah oui. Il y a une petite mine ici. Une minette. Une minette de quoi ? Hein ? Oui, je sais, c'est fait exprès. C'est de l'argile. Après, argile, on a, donc... Par ici, par ici. Et où? Je sais plus. C'est par là, le passage à la mine? Tout à fait. Il y a encore plein d'argile ici. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je regardais, j'observais. D'accord, d'accord. On a presque 3 barres d'endu. Hein. Ouais, ça vient bon. Hein. C'est moi ou ça me paraît bien jaune, ça? C'est vrai que c'est fort jaune, mais... ça loot de la pierre. Ben c'est tout. C'est la déceptitude. C'est juste jaune. Ouais, tu pensais un peu de pyrite ou une connerie comme ça? Bah ouais. Bon, y a des fleurs en bas, mais y a pas l'air d'avoir du loot. Intéressant. Ça par contre c'est du cuivre, on est d'accord. Oui. On disait aussi, ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas renommer les feux. Tu sais nos TP? Ouais, c'est maison, maison et maison. Ouais, ouais. Tu puisses pas mettre mine de cuivre, mine de charbon. Mm-mm. Ça va peut-être venir après. Mais ce sera un ajout intéressant, je trouve. Pour l'instant, il y a 4 endroits, on arrive encore à retenir ce qu'il y avait dedans, quoi. Voilà. Moi, je casse les murs. Et je ne suis pas content. Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, oui. Ok. Ça, c'est la tienne. Et ça, c'est la mienne. Voilà. Moi, je récupère de tout, hein, évidemment. Aïeux. 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 Ah,
aïe. La fuite. Ça t'a pas réussi. Oh là là. Je suis retombé hein. Ah, je peux pas bouger. Le lampadaire qui m'empêche de bouger, mon perso était coincé dedans. C'est bizarre ça. Fantastique. Oh, c'est chiant. Bien. Putain, quand mon perso était coincé dans le lampadaire, merci quoi. C'est par là. On va réussir à les tuer ces clampins quand même. Oui. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que tu perds les effets de la bouffe quand tu meurs. Ça reste logique dans l'ensemble. Oui, mais c'est un peu chiant. Mais oui. Alors, ne pas oublier, tu ne peux pas manger ou boire pendant que tu es en deltaplane. Techniquement, tu peux. Mais ça pique. Il faut faire attention à la chute. C'est tout juste, hein, sans être posé. Ouais. Est-ce qu'on poserait pas un... Si, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Il me faut encore deux... T'as deux pierres sur toi ou pas? Attends. Une, deux... Oui. Voilà. On a un hôtel de la flamme. On va faire comme avec le pont, hein, au pire. Tout à fait. Ah, ils sont nombreux, hein. Puis quand ils t'attaquent dans le dos, là. Le petit saligo. Et en plus, il y en a toujours un pour te taper dans le dos, hein. Ah bah, tant qu'à faire. Voilà, je suis reposé pour 1 minute 20. Bloc de route en terre. On a des blocs de route en terre. Des blocs de route en terre. Ouais. Attends, hop. Les routes en terre, c'est... Il y a un rapport avec... avec tout ce qui est buccal ou... Alors, faut pas me parler de ça à moi. Ça va mal finir encore. Ah bah oui, mais bon, après si on peut plus rien dire... Hein. Oui, d'accord. Je vais poser. Je le pose là, hein. Ah oui, hein. Hop. Ce sera très bien ici, hein. C'est posé. On n'est pas loin de la ville, c'est bon. Moi, on n'aura plus besoin de se redéplacer. Non, la porte est ouverte. Je sais pas qui, hein. Non, c'est pas moi. Je sais pas qui c'était non plus, ça. Hein. J'ai marché sur un... J'avais pas vu qu'il y avait des pièges à ours. Attention, il est là. Oh voilà. Toi déjà c'est fait. Alors... Mon âme est là. Attention, il y a du monde, hein. Oui, oui. Attention, ça arrive. Non mais oh. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Hein. Bordel! Qu'est-ce que je disais? Toujours un pour te taper dans le dos.
Ils sont 12 000. Attention, ils sont dangereux. J'ai cru comprendre. Mais après, j'ai l'impression qu'il reste plus que un de moins. Mort. Wow. Il y en a encore un. Il en reste. Je sais pas où, mais il en reste. Il est mort. Je crois que c'est bon. Pourquoi c'est quand on met... Hein ? On est sûr, c'est bon ? Bah, presque sûr, ouais. On ne tire plus dessus en tout cas. Pourquoi c'est quand on met l'hôtel qu'on y arrive ? Il y a une question de confiance en soi, je pense. Il en reste un. Ah, j'ai un bug. Okay. J'ai un bug sur une échelle. Ah oui, je l'ai eu aussi. Double, triple saut et ça passe. Double, triple saut. Tout à fait. Oh, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, n'ouvre pas. Ils sont nombreux à l'intérieur ? Ah, oui. Ils sont que deux, ça va. Combien tu disais ? Deux. Sans compter celui qui est dans le dos, c'est ça ? Sans compter les 12 qui sont au-dessus. Non, je voulais looter. Il est qui ? Ah ! Quel talent. Oh ! Une masse à deux mains pour toi. Et une super baguette de feu pour Mouet. Oh, dis donc, j'avais pas vu ça. Deux. Ah oui, c'est toi qui étais chercher le... Du coup, tu as vu le coffre en face. Parfait. Oui. Moi, j'ai vu le crochet en sortant et en faisant eux. 270 mètres pour la suite de la caïte. Eh bien... Du coup, je vais peut-être aller rechercher l'hôtel. Ouais. On peut pas le démolir d'ici, hein, c'est ça ? Non, il faut y aller. C'est pas dans ce jeu-là qu'on peut... Et je crois d'ailleurs qu'on le perd l'hôtel si on le détruit. Ah oui, il va falloir refarmer un peu de pierre. C'est fait. C'est bon, j'ai quelques pierres. Bah moi aussi, je refais un hôtel déjà. Parfait. Je suis à la sortie de la ville. Hop là. J'arrive. En direction de l'emplacement des six circulaires. J'arrive. J'ai éteint le bordel. Le bordel, carrément. Ouais. Il va être désactivé dans 30 secondes, donc tant que j'arrive, ce sera bon. Eh, mais oui, j'ai une fiole de lumière, j'ai un feu follet de lumière. Voilà, c'est ça. Et ça te fait une lumière au-dessus de la tête pendant 2 minutes, je crois, ou un truc comme ça. Ce qui, en vrai, est vachement bien quand tu te bats avec des armes à deux mains. J'imagine. Alors, nous sommes dans une forêt. Attends, oh, c'est joli ! Ah, c'est très joli ! J'ai entendu des trucs pas nets. Attends, je masque le HUD et je prends une photo. C'est pas le bon F. Voilà. J'ai pris le bon. J'ai fait avec le bon F. D'accord. Il y a une tanière, mais elle est vide. Mon ordi a pas apprécié la capture d'écran.
Ah ouais? Ouais. Il vient d'hurler à la mort pile au moment où il a fait la capture d'écran. J'ai posé le... Pour être sûr qu'on doive pas le refaire? L'hôtel, ouais. Alors il y a un petit peu de monde là sur le côté. Ils sont 13 hein. Ils sont niveau 13. Non. J'aime bien mon perso, il s'est agrippé, tu sais. Bande de brutalis. C'est brutalite. Aïe la tour doit être atteindre le ciel, construire plus haut. La tour doit atteindre le zénith et concurrencer la grâce du soleil. La matrone Léandra l'exige. J'ai amené les pierres de château les plus raffinées. D'accord. Donc il y a un boss qui s'appelle Léandra qui voulait une grande tour. Soit. Voilà. Voilà, je dis que c'est un boss, mais certainement. Il y a du monde en bas. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Il y a du monde ici aussi. Ah bah il est là le bordel qu'on cherche. Attention loup. Je m'occupe de l'archer. L'archer est mort. J'ai le Banshee. Wow, 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 monsieur, 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 on se calme. il s'est lâché, oh, hein. What? Oh, viens là, mon petit tonche. Ah, mince. Je crois que tu vas aimer ça. Oh, mais dites-moi. Ah ouais, quand même. Est-ce que tu vas être beau avec cette nouvelle armure? Évidemment. Waouh. Wow. Alors par contre, on dirait que t'as mis un t-shirt. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ah mais tu vois, Gan, là, c'est sur ces paroles-là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Salut.